Vorasus, très bien. Génère deux jauges feu. S'avance. Et je fais de même. Ok, deux jauges haut et il recule cette fois. Il veut temporiser en générant un maximum de jauges. Il veut profiter de son passif de drain pour faire durer au maximum le combat et invoquer des gros compagnons. J'ai pas l'intention de le laisser faire. Ok, donc je prends le centre. Ouais. Hein. Je joue extrêmement agressif avec le bon pour passer directement à l'action. Laboratoire. Il cherche toujours à faire le plus de jauge possible. Et il invoque rapidement Persimol, qui a déjà pas mal de stats, mais je suis rassuré de pas voir quelque chose de plus dangereux. Il tenait à éliminer ma sentinelle rapidement. Pour être honnête, j'ai la flemme de compter. Et je suis pas sûr de pouvoir achever Persimol en prenant le temps de détruire le labo, mais on sera vite fixé. 53 points de vie, c'est beau ça! Moins 38, il lui reste 15, le compte est bon. Je suis très bien là. Ok, mouillé. Puis gel. Je dois pas spam de sort, donc on va se limiter à un sort à 6. J'aurais peut-être dû garder mon sort de zone, mais je voulais les deux jauges feu pour invoquer Skull et mettre une forte pression à mon adversaire. Quelques dégâts, et il monte en jauge feu. Les tours sont relativement simples. J'encaisse toujours les dégâts des auras avec mon âme. Le sacrifice permet de lui rendre ses points de vie et d'attaquer de nouveau. Ah, il commence à fuir, la panique. Il lui reste que 90 points de vie et j'ai Skull sur le terrain. Je vais l'affaiblir tranquillement et garder mon bon lorsque j'aurai l'occasion de l'achever. On se cache derrière l'âme tout en approchant de l'adversaire. Ah, Julith, terrifiant. Je vais simplement l'ignorer. Il est temps d'en finir. GG à lui, abonnez-vous et à très bientôt dans le monde des 12.